Bonjour, aujourd'hui nous allons vous réaliser un gâteau très simple, un gâteau spécial. Il est spécial pourquoi? Parce que ce gâteau est un gâteau réalisé à partir, n'est-ce pas, du miel de chenou. Le miel de chenou que voici, venant, n'est-ce pas, de la région de la Damawa. Pour réaliser ce gâteau, il suffit d'avoir 200 g de farine, 3 pièces d'œuf, 100 g de beurre, 25 centilitres de lait, 10 g de levure chimique, 4 cuillères à soupe de miel de la Damawa, de chez nous, la région du Cameroun. Pour réaliser donc notre gâteau au miel, nous allons donc commencer par chemiser notre moule avec la matière grasse et saupoudrer, n'est-ce pas, avec de la farine. Nous réservons de côté. Nous allons incorporer 4 cuillères à soupe de 3 4. Nous allons incorporer notre miel. Nous allons incorporer les œufs entiers. Nous allons mélanger l'ensemble. Je vous recommande d'utiliser un miel de qualité, comme vous pouvez le voir, un miel de qualité comme je suis en train d'utiliser pour un résultat parfait et pour obtenir des gâteaux légers et moelleux. Maintenant, nous mélangeons notre beurre fondu. Nous allons mélanger notre beurre fondu avec le lait et nous l'incorporons à la préparation précédente. Voilà. Mélangeons la levure avec la farine parce que ici il s'agit d'une pâte battue poussée. Il faut bien remuer l'ensemble. Nous allons garnir notre pâte dans notre moule qui a été chemisé au préalable. Après avoir garni notre pâte au quaka, n'est-ce pas, de notre moule, je dis bien au quaka, on peut maintenant l'enfourner à 190 pendant 40 à 50 minutes. Après 40 à 50 minutes, nous pouvons retirer notre gâteau au miel. Voilà pour le goûter des enfants, celui des parents, c'est l'idéal, hyper fondant, moelleux à l'intérieur. Sur le côté, il est également croustillant. C'est un vrai régal. Dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, réaliser cette recette merveilleuse chez vous. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. À bientôt pour une autre recette. Merci.